et pousser au-dessus de Jonas, pour donner le nom à sa tête et délivrer ainsi ses mauvaises humeurs. Jonas a reçu un moment de joie à cause de la reconnaissance. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un père d'inviter le Christ et celui-ci se mit ses chants. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de venir. Jonas ne fut pas comme il se plaît sur la scène. Je sentant le foyer, il demanda la mort et ajouta : mieux vaut pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas : as-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce dessin et ce dessin ? Il répondit : oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à ce qu'il y ait la mort. Le Seigneur répondit : toi, tu as pitié de ce dessin, tu ne t'as pitié de qu'un travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en premier et en premier à disparaître. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de vivre, d'être en vie, ou s'emporter des feux d'animaux, qui n'y a plus de sang de l'être humain, qui ne distingue pas encore le droit de la bouche. Parole du Seigneur. Gloire Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Gloire au Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. En pitié de moi, Seigneur, gloire de ta fête chaque jour. Seigneur, refuse ton serviteur, vers toi je lève mon nom. Gloire Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma voix, Seigneur, en ton amour qui te suit. Toutes les nations que tu as faites, réunis se prosternent devant toi. Et on te croit à ton Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles pour la paix de ce monde. Le premier, Jésus-Christ. Le deuxième, Jésus-Christ.
de prier. Prier pour entrer dans l'intimité profonde avec Dieu son Père, qui l'aime et à qui il confie certainement sa mission. Dans cette prière, il va certainement porter les attentes de ceux et celles qui espèrent quelque chose de lui. Et il sait qu'il sait ensuite qu'il peut trouver sa force, et pour le faire, il doit développer cette intimité profonde avec lui. Pour nous, aujourd'hui, c'est aussi une leçon incroyable qu'il faut apprendre. Malgré sa journée chargée, prendre et trouver du temps pour Dieu, être pleinement associé à lui dans une intimité profonde. Deuxième tableau, Jésus apprend à prier. Jésus est maître de prière, et avant cela, il est aussi remarquable de constater que les disciples respectent le temps que Jésus prend pour prier. Ils ne le dérangent pas. Ils savent que le maître a besoin de ce temps pour pouvoir prier. Est-ce que nous avons respecté le temps de nos frères quand ils sont dans la prière? Jésus apprend à prier, et on sait qu'il formule des mots avec lesquels nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Des paroles qui peuvent lui plaire, des paroles qui puissent exaucer, puissent être sont conformes à sa volonté. Aujourd'hui, avec la version de Luc de notre Père, nous découvrons que Jésus nous donne des mots que Dieu a besoin, des mots dont Dieu a besoin pour être plus profondément enraciné en lui. Prions donc aussi avec les mots que Jésus nous donne. Aujourd'hui, essayons de faire notre méditer la prière de notre Père. Ne la ravageons pas comme quelquefois cela peut arriver, mais essayons aujourd'hui de nous arrêter sur chacun de nous et de pouvoir profondément savourer tout ce que Jésus donne dans cette prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons de l'assistance et la protection du livre de César
ministre de la famille. Nous voulons que la protection de tout le pays donnera à sa famille. Nous voulons que la protection de tout le cimetière l'envers de la main. Nous voulons que la protection de tout le famille entre main et elle, à l'ancien de grâce. Nous voulons pour la paix de la main et pour les biens que Dieu est avec la guerre entre le sang, par l'intercession de la main de l'Esprit. Priez, frères et sœurs, pour vos sacrifices et pour ce que votre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. Au nom de Dieu, prenez en part au corps et au
ensemble, notre Père, voici la main de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux de se jeter au bras des noces de la main. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais que ce soit une parole.
Ayant encore le Seigneur. Dieu éternel, puissant en priant, par la communion à ce sacrement, comme de notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre frère, bien-aimé la Messalie, après nous tous, malheureusement aussi, souffrir un peu, prendre du temps pour ses vacances. Donc, tu manques quelques moments, deux, trois semaines, cela va te coûter, parce qu'il y a droit aussi à ses vacances. Donc, tout à l'heure, tu vas travailler. Il va se motiver dans la communauté, mais nous restons toujours unis comme ce cas depuis toujours. Donc, sur la périphérie très chère, pendant tant de vacances de vérité, Dieu a bien remarqué l'œil dessus et pas être en mystère. Après le Christ, là. Nous sommes de bonnes vacances. Joyeux de bonnes vacances. Mais il faut prendre du temps pour prier.
Seigneur.